Le calendrier 2019 des sportifs, une douzaine de sportifs dans l'objectif du photographe Fred Goudon. Ça commence bien en janvier avec Thomas Vilaseca, on doit voir ces images-là, et Antoine Préter, on les a en février, le gant de boxe de Benoît Meyer. Je sais que Marion a une petite préférence pour le mois de mars et le judoka Baptiste Pierre. Bonjour monsieur, en avril, ne te découvre pas d'un fil, Cyril Gogel et sa moto, j'avance un peu du canoë en juin, le foot en juillet et en septembre. Nicolas Karabatic, ouais. Que voilà. Bonsoir, ah, monsieur Septembre. Monsieur Septembre, Muriel voilà, Robin, je Fred Goudon, le photographe de ces bonsoir. Calendriers. Bonsoir. On ne vous présente plus, Nicolas, double champion olympique avec l'équipe de France, Pékin, Londres, quatre fois champion du monde, désigné handballeur de l'année en 2007, 2014 et 2016. Et histoire de compléter ce palmarès, deux magnifiques calendriers, puisque c'est la deuxième fois que vous vous prêtez au jeu et acceptez de poser devant l'objectif de Fred Goudon. Ça vous a amusé la première fois, vous vous êtes dit, voilà, pourquoi pas une deuxième, quoi. C'est ça ? Non, ça s'est très bien passé avec Fred. On a pris, s'est bien amusé sur les photos la première fois. Les photos sont très bien, ont très bien rendu. C'était vous vous trouvez photo. Bien là, sur cette photo ? Non, je parle de la première fois quand on s'est rencontré. Ah, ouais, pourquoi ouais. J'ai fait la deuxième fois ouais. Et donc, c'était magnifique. Et donc, quand il m'a demandé, est-ce que tu veux le refaire Bah, j'ai dit oui, en plus il m'a dit tu seras sur la couverture, donc c'est pour une association aussi, donc ça, mais ça sert à la bonne cause. Tout est à but caritatif. Ça sert à mon égo d'être en couverture sur un calendrier. Vous vous trouvez beau là-dessus, Nicolas sur le... Peut-être que mes enfants me trouveront beau dans quelques années. Ouais. Est-ce que vous étiez à l'aise dès la première prise de vue ou est-ce que ça s'est mieux passé la première fois? Parce que c'est pas facile quand même de poser... Non, c'est pas facile. Je suis habitué à être sur les terrains et à faire du hand et habillé. On peut changer cette règle-là aussi. Mais... J'ai été déshabillé sur un terrain, mais, ah ouais oui, mais on m'a arraché mes maillots. Mais... Ah oui, les fans. Non, l'arbitre. Oui. L'arbitre fan. C'est peut-être, ouais. Non, ouais, c'est bizarre au début. La toute première fois, c'est bizarre. Je l'ai fait pour les dieux du stade il y a quelques années. Et là, je me suis retrouvé... Un peu bête et un peu à nu, qu'à le dire. Et au fur et à mesure qu'on le fait, ben, on s'y habitue. Et au final, je pense que j'étais plus... Ah non, ça marche très bien. Ça va, oui, mais vraiment. J'étais plus à l'aise à la fin. Oui, ouais. Mais toujours. Mais au début, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Se dénuder pour faire des photos, c'est pas un exercice naturel. Donc, mon boulot, c'est de les amener justement tous ces sportifs. Justement, vous êtes devenu un peu le spécialiste mondial des calendriers de nus, de sportifs, etc. Sportifs, mais pas que, puisque vous sortez, je le disais, le calendrier des pompiers. On a même quelques bien belles images, j'ai envie de dire, du shooting de ce calendrier des pompiers, cette ambiance de chambrée. Calendrier aussi des agriculteurs. Je pense peut-être qu'on peut laisser Marion commenter ce calendrier-là. Je sais pas. C'est Marion qui découvre les images, évidemment. Je découvre à l'instant les images, mais vous le faisiez très bien, plein de lapsus. C'est la brouette. La brouette. La fameuse brouette. Ce sont des agriculteurs. Oui. On a de l'ostréiculture aussi. Hein. Oui, on a un peu de tout. Il a bien bougé l'agriculture. Il y a longtemps, j'en ai pas. Mais on attend le vôtre, Maxou. Non, alors il n'y aura pas le mien. Fred Goudon, qui sont les plus à l'aise face à l'objectif? Les sportifs, les pompiers, les agriculteurs? Dans l'ordre, les sportifs. Ah oui. Oui, parce que comme ils sont souvent dans les vestiaires entre eux, ils ont l'habitude d'être nus. Voilà, donc c'est moins compliqué. Et les pompiers, c'est un peu le même principe quand même. Oui. Mais les sportifs, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Après, il y a des gens pudiques. Et donc, et la pudeur, ça se respecte. Donc, par moment, de faire un calendrier nu avec quelqu'un de pudique, c'est compliqué. Alors, il faut aller dans son sens. Moi, je ne vais pas le forcer. Donc, on trouve une idée, une photo qui lui permet d'être... Un casque, par exemple. Par exemple. Voilà. Mais même une serviette. Ou... Mmh. Oui, ça va, ça passe. Les yeux dans les yeux, est-ce qu'il y a du Photoshop? Bien sûr. Pour ça gonfler les muscles, non, pourquoi non, faire pour arranger un petit peu, pour modifier un petit peu la texture de la peau, s'il y a des rougeurs ou des choses qui ne marchent pas bien. Mais c'est pour optimiser une image, ce n'est pas pour la transformer. Les abdos, là, ils sont vrais, donc par exemple. Alors, mais vraiment, et pour du vrai, oui, absolument. Oui. Sur Nicolas, il n'y a eu aucune retouche? Il y a l'optimisation. Oui, oui, il y en a. Qu'est-ce qu'on a optimisé chez Nicolas? J'assume, disons que par exemple, il peut y avoir des angles qui sont un peu moins flatteurs, parce que la position, elle est moins bonne. Donc, du coup, on va chercher quelque chose pour tonifier un peu le corps, mais ce n'est pas de la triche. Ouais. C'est juste que ça rend l'image un petit peu esthétique. Mais comment on fait justement pour que l'image soit sensuelle, mais ne tombe pas dans la vulgarité? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Est-ce qu'on imagine, certes? Oui, je pense que... Alors, ça a fait rire toute seule. Je fais de mon mieux, en tout cas. Et normalement, ça marche. Vous vous êtes habillée pour faire les photos? Oui, 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 c'est pas un club naturiste. Mais c'est vrai qu'elles sont toutes extrêmement premier degré, quoi. On ne peut pas... Absolument. Oui, pas d'humour, pas de... Non, voilà,
la soignante, ça marcherait pas. C'est du calendrier, c'est une photo esthétique qui va rester un mois sur un mur. Donc il faut que ce soit joli. Si on met de l'humour, on ne va pas rire tous les jours avec cette photo. Non. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de beau. Et photographier des femmes, des sportives nues, ça serait malvenu ? Je ne sais pas, mais ça sera avec grand plaisir en tout cas. Mmh. Oui, vraiment, j'aimerais beaucoup faire ce challenge-là aussi. Mmh. Oui, vraiment. Nicolas, vous vous faites chambrer ensuite sur le terrain ? Non. Non, pas du tout ? Non, je pense que c'est passé aujourd'hui dans la culture sportive depuis quelques années. Enfin, c'est devenu monnaie courante de voir des sportifs dénudés. Dans les vestiaires, il y a tellement d'images de vestiaires, il y a tellement de photos. Pas aussi léché, hein, si je peux me permettre. Peut-être pas comme ça. Peut-être pas comme ça, mais c'est plus tabou. Il faut déjà être un peu entraîné pour le chambrer. c'est vrai aussi, c'est pas faux. Et puis, tout ça est à but caritatif, en l'occurrence pour la fondation Keep Breast, garder du souffle, c'est ça, en gros, pour encourager les enfants à avoir une vie saine et équilibrée. Exactement. En restant habillés. Oui, bien sûr. D'accord. Et c'est en vente 19,95€. On offre tout ça, Muriel, les trois. Ah, bah évidemment. C'est signé Fred Goudon derrière l'objectif. Merci à tous les deux. Et Nicolas, en couverture de ce numéro exceptionnel. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous.